Excusez, ça se peut que vous ayez entendu mon stream en écho parce que j'avais pas muté mon euh, la diffusion que j'ai en ce moment. Donc ça vient d'être fait. Juste me mettre du feedback dans les oreilles. Ok c'est bon. Comme ça, je parlerai pas trop fort. Bon, je vais prendre les présences avec les gens qui ont répondu ici. Puis après ça, ben, je le demanderai à nouveau. Donc, Martin. Karina. Mathieu. Brian Raphaël Marie Bois-Joyal Salut euh, Rob Robert. Dans le fond, euh, c'est mon cours euh, corpo de substance, mais dans le fond. Euh, je peux, peux l'écouter, mais c'est priorisé à mes étudiants corporels. Hum. Euh, ensuite, Valérie. Juliette. Hum. marie bois Boisjoyal. Héloïse Blanchin. Valérie Lorrain. Ok. Donc, je vais attendre un peu pour euh, les autres. Je vois quand même qu y a une, quelques personnes de connectées dans le Discord. Euh, Jérémy. Jérémy. Jérémy Pilon. Ben, dans le fond, tu es connecté dans le Discord. Juste me, me signaler si tu es présent. Euh, Vincent Campbell, etc. Hmm. Ok. Donc, euh, pour euh, ce soir, euh, dans le fond, ce que j'ai pensé faire, c'est. Donner dans le fond de la révision sur euh, Substance Designer, puisque bon, ça fait un bout qu'on ne l'avait pas euh, regardé. Euh, donc j'ai commencé un petit euh, quelque chose euh, cet après-midi, euh, puis juste parler dans le fond, bon, ça a été quoi ma le, le début d'une substance qui, euh, qui est faite pour faire de la texture d'environnement principalement. Euh, quel, quel a été un peu dans le fond mon, mon procédé pour, euh, pour commencer un projet? Euh, J'aimerais possiblement dans le fond le continuer. Ce que j'aimerais faire, je vais vous montrer dans le fond, moi, dans... quand je fais euh, des nouvelles textures euh, pour un projet de peu importe, c'est de trouver des références. Puis là, ben rapidement, il y a vraiment un, un, une image qui m'a interpellé. C'était celle-là, dans le fond. Euh, je regardais pour euh, des espèces de sculptures en bois euh, qui pourraient être euh, utilisées pour faire euh, comme des figuritures là, dans un plafond. Euh, principalement, c'est vraiment de créer un material, un matériel en tant que tel euh, qui va être utilisé. Donc, dans le fond, euh, ouais, ben, au lieu d'essayer de, de faire comprendre ce que je veux faire, ben, dans le fond, l'idée c'est ça pour euh, donner de la révision, euh, je me suis trouvé comme un but là, à, à faire une substance pour faire euh, n'importe quoi pour n'importe quoi. Donc, je me suis dit que j'allais euh, essayer de faire euh, un nouveau espèce de, de toit euh, texturé euh, pour euh, mon auberge médiévale. Donc, j'ai regardé pour euh, des, des trucs plus vieillots, là, dans le fond, de bois euh, sculpté à la main. Euh, c'est ça la référence ici, là. donc je vais juste la montrer pour euh, voir qu'est-ce qui m'a guidé. Donc euh, c'est la première chose que, que j'ai effectuée pour commencer ma texture, ben, c'est regarder c'est quoi le grain de bois, c'est quoi l'espèce de, de texture générale euh, d'un matériel que j'aimerais utiliser. Donc ici ben, c'est un, un bois qui a été probablement teint, euh, teint avec euh, une, tex, une, une une teinture dans le fond sûrement super épaisse. Euh, qui, a, qui a comme couvert même le grain du bois. Là. Donc, c'est un peu la, je, je trouvais que c était, c était un peu ça que ça dégageait comme, comme texture. Euh, puis c'est ça que j'ai essayé de, de recréer dans le fond dans, dans Substance Designer. Puis je vais pouvoir passer en détail un peu, là, parce que c'est ça, au euh, à fin de la fin de la classe de la semaine passée, c'est ce qui m'avait été demandé, de faire un rappel dans le fond de Substance Designer, puis de repasser sur des, les notes les plus euh, utilisées généralement d'un dans, dans aspect général. Donc euh, c'est un peu ça ici que je vais faire. Puis le principe, dans le fond, de, le but de mon projet, qu'est-ce qui guide aussi ma création, ben c'est euh, ce projet-là -là, d'auberge. Puis... J'ai dit, ah, je regardais mes, mes, mes plafonds dans le fond, puis j'ai trouvé quand même assez euh, ordinaire. Y avait pas, Il manquait un peu de détails. C'est tous les mêmes dans, à chaque étage. Donc, euh, je me suis dit, euh, ah ben, je vais créer un nouveau matériel pour euh, peut-être garnir euh, le, 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 le rez-de-chaussée qui est euh, le... La, la place, dans le fond, euh, commerce, de, 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 de place à, à boire et à regarder des spectacles de musique. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un, un toit plus détaillé. Fait que c'est un peu ça que, que je peux euh, commencer à regarder euh, un peu avec vous. Euh, puis, autrement, dans le fond, euh, là, c'est ça, tu sais. Euh, ce que je pensais, c'est. Euh, comme comme j'ai mentionné la semaine passée, je, pour les cours qui restent, c'est vraiment de faire de la révision plus individuelle euh, sur, euh, sur, sur ce que vous travaillez en ce moment. Euh, comme j'ai proposé la semaine passée, je vous avais remis le, le modèle de, de la tortue. Donc, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de pouvoir avec vous re, re, repasser peut-être sur de la matière, euh, être sûr que vous soyez apte à prendre la, la statue de, de tortue, appliquer des matériaux, peut-être à la limite faire des smart materials, appliquer des effets dessus, puis essayer rapidement de, de commencer à pratiquer, surtout dans Painter, dans le fond, là, pour, euh, pour tester comment. Euh, appliquer des materials, puis les, les, les tweaker, les configurer, dans le fond, à votre, euh, à votre bon sens. Donc, euh, de peindre là, à la main, si vous avez une tablette Wacom, ben, c'est sûr que c'est plus efficace, mais à la souris, ça peut se faire aussi. Là. Donc, euh, ce que... Ben, dans le fond, regardez, je vais montrer. Là. Euh, dans Discord, dans le fond, ça va être le principe... Là, il faut, faut juste que... Dans le fond... Bon là, il faut, faut que je rentre dans le chat, mais il faut pas que je, je mette mon son dans le salon vocal. Et nous, si vous vous connectez pas, vous allez rien entendre. Fait que je pense que ça va être fine. Donc, euh, allez, voyons, je suis comme un. Tu peux, ah, c'est quoi déjà Tu peux partager ton. Ah, c'est ça ici. Go live. Puis là, je pourrais euh, mettre mon écran comme ça. Ok. Fait là, dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que vous aussi, dans le fond, vous pouvez faire ça. Dans, dans... Vous pouvez vous aussi streamer votre contenu. Euh, fait ce que je vous propose, parce que regardez, là, c'est moi qui stream, là, mais dans le fond, c'est que vous pourriez venir dans le salon vocal. Je vais me déconnecter. Là. Vous pourriez venir dans le salon vocal, puis vous pourriez me partager votre écran travail pour me montrer où est-ce que vous en êtes, si euh, tout va bien, puis de pratiquer, dans le fond, la, la matière qu'on a vue ensemble. Euh, puis comme j'avais mentionné, c'est ça, tu sais, vous, euh, soit vous le faites n'importe quand dans la semaine que vous le pouvez, euh, puis on peut euh, regarder ça, euh, tu sais, un 5 minutes pendant le cours, ou sinon vous travaillez vraiment pendant le cours. Puis quand vous avez une question, vous euh, levez la main dans le Discord, whatever. On se connecte euh, dans le général, puis je peux regarder votre écran. C'est sûr que le reste de la classe peut aussi regarder votre stream, là, mais je pense que ce serait correct. Puis on, on peut se parler dans le fond pour. Euh, pour voir euh, s'il si y a des, des problèmes ou quelque chose. Euh, donc, c'est ce que je propose. Je, je vais le tester avec vous. Tu sais, je n'ai jamais fait ça avant. Donc, euh, voir si euh, ça, ça peut vous intéresser pour faire de la révision. Parce que, comme nouvelle matière, j'ai pas mal euh, fait le tour du plan de cours. Euh, Puis, comme ça, il n'y a pas de période d'atelier en, en, en classe en tant que tel. Ben, ça a quand même assez vite. C'est archivé en, en vidéo. Mais là, on peut pratiquer vraiment plus euh, ensemble pour être sûr que que la matière a été euh, incorporée. Là. Donc, c'est ce que je propose. Mais entre-temps, pour l'instant, avant de faire ça, donc avant vraiment de passer en mode atelier, disons que ce mode atelier-là serait peut-être plus la semaine prochaine. Là. Donc, euh, sans problème, là, on peut... Euh, on, peut euh, se, se... on peut même peut-être se siduler des, des rendez-vous par Internet toute la semaine. Euh, semblait que ça ne me dérange pas. Là, j'enseigne en, euh, euh, au bac euh, le lundi, puis c'est pas mal ça. Là. Fait que c'est au pire le... À mercredi soir, c'est vrai que j'ai des ouais, j des pratiques de jeux vidéo euh, avec mes amis. Mais sinon, ouais. Bon, on veut euh, se séduire des rendez-vous au pire. Ou sinon, ça serait le mardi, euh, jeudi soir. Là. Donc, voilà. Je vais juste mentionner ça. Euh, essayez ça avec vous. Euh, M'assurer tu sais, que, bon, que vous ayez euh, euh, compris la, la matière, que c'est compris euh, de façon générale euh, la matière. Juste pour que vous puissiez montrer un, le modèle de la tortue dans, dans Substance Painter puis que vous appliquez des matériaux, essayer de faire des trucs. Juste pour être sûr que, que ça fonctionne euh, de façon générale. Puis les personnes qui veulent pousser plus loin, ben t'sais, pour la tortue, essayez de voir si vous pouvez euh, dessiner des, les, euh, de la, de la 8-map sur la surface. Est-ce que vous pouvez créer, euh, par exemple, le, la peau de la, de la tortue dans le designer Est-ce que vous pouvez faire une, une espèce de, de, de scaly euh, letter, là, de, de, de lézard, peut-être, pour mettre ça euh, sur, euh, sur le personnage Donc, le genre de challenge que je vous lance euh, pour qu'on finisse, dans le fond, la, notre session, euh, entre guillemets, ensemble, tumultueuse. <laughs> De... Ça, le problème, quand, quand t'enseignes à 6h, tu viens juste de souper, fait que là... En tout cas, euh, fait que là, dans le fond, qu'on puisse finir ça en atelier puis que je puisse m'assurer que la matière a été comprise. OK, donc voilà. Euh, là, je vais je, je juste encore euh, redemander, euh, dans le fond, Vincent Campbell, si, es, si tu es présent, juste euh, le montrer dans le Discord ou dans le Facebook, euh, YouTube chat. Gaël, Gilles Poitou, Jérémy Pilon. Euh, Grégory Legrand. Donc, les quatre euh, absents jusqu'à maintenant. Faites juste le dire si vous êtes là. Euh, pour que je puisse vous marquer présent. Parce que euh, Marie tient à ça. Oh, Jérémy il a l'air d'être là. OK. Salut, Jérémy. Donc, euh, présent. Perfect. OK. Donc... Comme je mentionnais. Donc, aujourd'hui, on va faire une révision de designer. Euh, un peu le, le procédé, le... Moi, le but là, ici, là, c'est de, de me partir un nouveau, euh, euh, un nouveau plafond pour, euh, pour mon auberge. Donc, c'est de me faire une belle grande tuile qui va sûrement avoir quatre, euh, qui va être séparée en 4 puis avoir quatre espèces de carrés dans le fond avec des frioritures sûrement un truc fleuri euh, ou. Euh, oh, Vincent Campbell, comme ça, excellent. Euh, donc ça c'était l'image euh, référence dans le fond de, de base, là, je, la, je la trouvais vieillot, je trouvais que c'était pas trop parfait, là, parce que souvent ce qui, ce qui s'en vient quasiment difficile dans, dans, dans le domaine de la création de textures, c'est de, de trouver des images réelles et... Euh, euh, attends, ok, je vais répondre à la question. Je suis un, un perdu, est-ce qu'il y a un cours? Moi je serais partant pour apprendre de nouvelles notes dans designer. Euh, ouais, ben ça dans le fond aujourd'hui c'est une révision, puis... Euh, montrer dans le fond euh, euh, pro mon procédé de travail, là, parce que ça fait un bout qu'on qu a fait ça ensemble, puis euh, je sais sûr que tout soit correct. Là. Donc, euh, dans le fond, c'était euh, wood ceiling, euh, euh, carving, chose dans le genre. Là. Bon, j'aimerais ça, ça euh, donner un détail plus intéressant à mon, euh, à mon plafond, dans le fond d'auberge. Essayer de faire un, un pattern comme celui-là, peut-être peut moins détaillé parce que l'auberge, euh, le, le style euh, de direction artistique, dans le fond, du. Euh... Ah, ok, tu voulais le URL, excuse-moi, j'avais pas, pas compris. Um, donc, euh, tu sais, de faire un, un truc un peu plus texturé pour euh, pour cet étage-là particulièrement, là, pour avoir juste des plaques de bois euh, plates. Là. Donc, ok, donc c'est ça. La première étape, c'est. Oups. La première étape, ça a été, bon, de me trouver une référence. Donc, le Wood Ceiling, j'ai bien aimé celle-là. Puis là, dans le fond, c'est ça. Je commence à l'analyser. Je fais comme, ok, bon. Euh... C'est un beau qui a été recouvert d'une un, teinture là, vraiment là, opaque, qui a camouflé beaucoup de grains, même si on en voit encore un peu. Il y a des imperfections par-ci par-là. Donc, euh, j'ai commencé mon travail. Donc, je commence mon travail. L'important pour le début, dans le fond, c'était d'avoir... Euh... Vraiment le, le, le grain du bois et de l'espèce de, de teinture euh, super euh, collante, si on veut, par-dessus, euh, sur la surface. Euh, donc, avant de commencer à faire euh, tout le, le travail euh, de, de carving, de wood carving, si on veut, de, de sculpture dans le bois. Donc, d'avoir vraiment le, le background. Donc, euh, le, le procédé que j'ai entrepris, dans le fond, pour arriver à ça, c'est de me trouver, dans le fond, des, des « noises qui vont être aptes euh, à me donner euh, le, le travail de base nécessaire. Donc, donc, dans le fond, la première chose à faire quasiment dès qu'on veut commencer un, une texture, que ce soit du béton, du bois, euh, plastique, peu importe, ça dépend de quoi votre projet, etc. Mais c'est d'aller généralement dans les generators pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a disponible euh, de base, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser, dans le fond, pour faire un matériel euh, de base. C'est bien simple. Donc, généralement, euh, ça dépend qu'est qu ce qu'on veut faire. Mais ici, moi, ce que je suis allé chercher, c'était des euh, Directional Noise pour me faire une espèce de grain de bois. Donc, j'en ai choisi euh, quelques-uns. Euh, donc, par exemple, celui-là, pour avoir l'espèce de grain de bois euh, dans le sens euh, vertical. J'ai pris le Directional Noise 4 pour faire des espèces de taches, d'empattement, si on veut, là, de, 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 de la teinture et le directional, dire, directional Noise 3 pour faire un autre, un autre ajout dans le fond de grains dans la surface pour aller chercher, si je On regarde juste des, certaines, certains coins de la texture, puis essayer de faire ce, ce résultat-là. Euh, donc, c'est ça. La première chose que je fais, c'est que je me place dans le fond les Directional Noise. Je commence avec ça. À la limite, je vous dirais même... Euh, je vais en partir d'un nouveau juste pour, pour le refaire euh, étape par étape. Là. Bon, attends, juste un test comme ça. Puis là, ben, ça va être facile. Je vais juste les copier-coller. Donc. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, euh, quand on fait, euh, ben, quand je fais une texture euh, de, de surface comme ça, la première, la première chose que je vais tester, je vais travailler, avant même de travailler la couleur de la texture, je vais travailler la roughness. Pour savoir, dans le fond, comment est-ce que la lumière va interagir avec... Bon, on un peu. Juste pour savoir comment est-ce que la lumière va interagir avec l'objet. Bon, comme ça. Donc, ici, sans même varier euh, le node de noise je regarde un peu ce que ça donne ok bon on sent beaucoup le contraste entre les valeurs de noir et le blanc euh, juste avant de continuer je vais ajouter euh, Grégory sur, sur la liste de présence Ok Bon ben, tout le monde est pas mal là il y a juste Gaël qui qui ne semble plus euh, trop présente donc voilà Ok, donc comme je disais, je, je commence toujours à travailler euh, la, la valeur de roughness pour euh, déterminer dans le fond comment est-ce que l'objet va être réflectif, euh, avant même de mettre nécessairement euh, de la couleur dessus. Donc vraiment trouver là, cette, euh, cette espèce de, de, de valeur euh, de, de qui, comment la lumière influence l'objet. Euh, Puis généralement, bon après ça, quand j'ai placé le, euh, le le noise à la base, je regarde bon, c'est quoi les paramètres qu'il y a Généralement, je vous le cacherai pas ben, les... les noises. Dans les generators, dans le fond de Designer, il n'y a pas tout le temps beaucoup d'options pour le travailler. On peut changer le disorder juste pour le varier un peu rapidement. Mais autrement, dans le fond, ce que je vais faire, c'est acheter un level pour pouvoir dans le fond venir le travailler à nouveau. Donc là, je peux bon commencer à jouer avec les valeurs dépendamment de l'image référence du bois. Donc ici, c'est un contraste aussi fort que ça. Peut-être que j'en veux moins. Donc ça va être d'essayer de, de, d'enlever un peu d'information. Donc ici, le noir, je le trouvais vraiment trop fort. Donc je vais essayer de juste estomper un peu ma texture là, pour que l'influence fond de, du noise soit moins fort sur le, la roughness, sur la réflectivité de l'objet. Donc c'est un peu le, 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 le procédé premier, dans le fond, que j'ai fait de déterminer un peu le, la valeur de la roughness. Donc je vais continuer là, avec les autres, les autres éléments. Toujours le même principe dans le fond de prendre des levels, puis essayer de paramétrer les textures. Donc ici mon grain de de, de bois, je vais vouloir vraiment le, limiter en fait l'effet le, trop fort de sombre, de grain sombre sur la surface. Là. Donc sans avoir pratiqué à la perfection le le tuto que j'ai en ce moment, je vais juste regarder là, à nouveau ici. Bon, c'était un level comme ça. Je vais le copier en fait, les valeurs. Parce que ça reste un peu la même chose. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, comme ça partage comme ça je vais le mettre dans annonce comme ça ok donc prendre ma valeur que j'ai ici de level la placer ici okay. donc je suis arrivé à ce résultat là donc une espèce de, de gris là pas trop contrasté de la valeur dans le fond de du grain de bois si on veut euh, puis là après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris dans le fond ces deux informations de noise là et je les ai combinées ensemble on place ça dans un blend. Et le blend, on va le placer en linear... Euh, en multiply, excusez. Par linear dodge. Donc, je le place en multiply. On peut regarder ce que ça donne dans la roughness. Donc là, on a une espèce de grain de bois qui est mélangé avec les taches De même, un peu de... Dans, comme de, ben, de, de l'empattement de, de, de peinture euh, opaque un peu. Là. Donc, les deux ont, sont combinés ensemble. Puis maintenant, maintenant je vais m'en servir pour continuer... Euh, le matériel dans le fond de, de 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 teinture de bois dans le fond là, pour euh, m'avoir que quelque chose d'intéressant donc euh, ce ici donc mes valeurs étaient pas nécessairement les mêmes là. pas trop grave donc ensuite euh, juste juste euh, Voir un peu. Bon, j'ai pris des levels pour placer ça là. Donc je vais faire ça aussi. Donc j'ai pris des levels encore une fois. Juste en mettre un avant de rentrer dans la normal map. Puis un autre level juste avant de le replacer, dans le fond, dans la roughness. Puis là, dans le fond, ces deux levels là que je place, bon, juste avant d'entrer dans la normal et dans la roughness, ben c'est pour pouvoir contrôler, dans le fond, euh, un peu mieux mes textures. Donc. Dans le fond, oui, OK, la normale, en jeu vidéo, bon, peu importe, peut être euh, augmentée ou descendue à l'aide du non-normal, l'espèce de, de note de conversion. Euh, mais, une autre façon de faire, oops, plutôt que de, de se fier, dans le fond, au non-normal pour contrôler l'intensité de la normale, c'est de travailler avec le level dans les valeurs de gris juste avant. Donc, ça aussi, c'est très valable. Donc, je peux l'abaisser, là, comme ça, pour rendre le tout euh, un peu plus... Euh, moyen là, dans, dans le... l'empattement de la texture, mais je peux bon je vais laisser comme ça ici parce que je le trouve quand même intéressant. Là, on voit qu'il y a quand même un grain euh, très fort là, dans, dans la bombe de l'objet. Donc on va le travailler comme ça pour l'instant. Puis, autrement, dans le fond, dans euh, la roughness de l'objet, encore une fois, on peut la travailler. Bon, tu sais, si j'exagère ici, là, je peux faire quelque chose de hyper contrasté. Bon, pour du bois, c'est comme ordinaire, là, mais euh, dans le fond, avec le level, ça contrôlerait comment je peux. Dans le fond, déterminer la réflectivité de l'objet. Ici, ça va être un bois. Euh, on peut faire un petit peu plus lustré, peut-être. Un espèce de vieux euh, vernis qui a, qui a été euh, un peu massacré par le temps. Donc, je vais le mettre un peu plus uniforme. Là. Alors, on va prendre quelque chose comme ça. Ça va être différent de celui que je suis en train de faire tout à l'heure. En même temps, je vais regarder la référence. Donc Le vernis ouais, est quand même très opaque. Donc, ici, ça, ça reflète souvent un peu trop la lumière. Donc, je retourne avec des valeurs un peu plus blanches, finalement. OK. Quelque chose comme ça. OK. Donc, un départ de travail, dans le fond, pour la bump. Un peu de travail pour la roughness. Donc, déterminer, dans le fond, le, le grain euh, et la réflectivité de la lumière, dans le fond, sur l'objet. Ça va m'aider, dans le fond, pour le reste. Euh, parce que là, c'est juste travailler en gris. Donc, tu je m'assure, dans le fond, c'est une espèce de blocking, si on veut, de... L'effet de texture. Puis après, ben le travail à faire, c'est de commencer à travailler dans le fond de la euh, texture de couleur. Donc, une information euh, un peu plus euh, minutieuse dans, dans le travail qu'on va lui, euh, lui aborder. Donc, euh, bon, ce que je vais faire pour commencer, je vais placer un blend. Okay. Pas d'informations de ça pour commencer. Euh, et aller placer le blend que j'ai ici dans le fond de mon information euh, des deux. Euh, les deux noises hein, qu'on a ici. Là. Donc, je vais l'utiliser comme un masque pour bloquer, dans le fond, deux couleurs uniformes euh, de base. Là. Puis, là, ce que je peux faire, euh, ben c'est sûr que je. Euh, Attends, juste. Ouais. Ben, c'est pas trop grave. Dans le fond, qu'est-ce qu que je veux exprimer ici C'est que je peux euh, carrément aller piquer ma couleur dans euh, l'image de de ma référence. Là. Mais, euh, je vais la mettre sur ma deuxième écran. Parce que sinon, ben, Designer embarque par-dessus. Fait que je veux juste aller piquer. Ma couleur dans mon deuxième moniteur. Euh, donc, grosso modo, c'est qu'il y a l'espèce de teinture euh, opaque. C'est ce qui forme l'empattement sur mon modèle. Je vais aller chercher une des couleurs les plus foncées de mon grain de bois. Euh, Puis, je vais aller chercher dans le fond une des couleurs les plus euh, colorées, si on veut, là, du background. Donc une espèce de, de grain de bois très euh, rougeâtre. Là. Donc quelque chose comme ça. Donc ça, ce serait mes deux couleurs. Euh, les plus fortes là, dans le background. Donc, on a l'espèce d'empattement ici de la, de la teinture très, très, très bourgogne foncé Puis, ils sont une espèce de roux euh, plus pâle. Là. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là. Puis, ça va être dans le fond de, de commencer avec cette information-là pour pouvoir euh, créer l'information de, de, de couleur là, de l'objet. Donc, théoriquement, on va le tester rapidement, pour voir ce que ça donne. Mais dans le background, ce serait théoriquement le grain du bois qui était très rougeâtre. Et. Euh, dans le foreground, dans le fond, le, euh, la texture d'empattement de, 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 du, euh, du vernis ou euh, de la teinture, dans le fond. Donc, on va le tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, ok, ça fonctionne pas si mal. Ça, dans le fond, on voit que c'est ça qui n'est qui pas nécessairement déterminé par le grain de bois. Donc, c'est bon que ça soit surtout représenté par cette texture-là qui est moins près, dans le fond, du grain de bois que celle-là. Donc, ça fonctionne. Comme ça. Pour avoir une première, euh, un premier détail d'informations de, de, de couleur. Euh, puis après, ça de continuer à les travailler. OK? Parce que là, on ne peut pas juste garder deux uniformes color et juste placer ça de même. Là. Ça manque de détails, ça manque de travail. Donc, ce que je vais faire, euh, c'est continuer à les travailler de leur côté. Donc, dans le fond, euh, ben, rapidement, je vais me faire des duplicats de ces nodes-là. Puis, simplement par des blends. Dans le fond, ça va être de... Modifier, de changer un peu dans le fond leur, leur information de couleur. Donc, euh, tu sais, je peux prendre. De, je vais aller voir qu'est-ce que j'aurais d'autre de, de noise. Donc, peut-être un black and white spot. Le numéro 3. Je vais regarder ces options. Je vais changer un peu le désordre pour le varier un peu. Puis là, ben, à l'aide d'un blend, je vais placer mes deux informations de couleur. Le noise. Là, ben, c'est sûr qu'il faut que je varie une des couleurs. Donc, je peux descendre un petit peu la saturation et la valeur là, de. Pour le rendre un peu plus, euh, plus foncé, avoir un espèce de contraste, peut-être comme ça. Puis lui, ben, il est quand même très fort là, pour l'instant. Il fait que je vais mettre un level. Puis encore une fois, dans le fond, pouvoir venir modifier son information de couleur sur celui-ci. Donc quelque chose d'un peu plus doux comme ça. Là. Pas qu'il y ait un contraste trop fort dans la couleur. Puis je le place dans mon blend à nouveau. Donc l'effet. On n'a pas vu tant de changements avec ça. Si je fais CTRL Z puis CTRL Y, ça a l'air vraiment minime. Mais bon, se pourrait acheter un petit peu plus de, de détails dans la texture pour pas que ça soit trop uniforme, une couleur euh, parfaite à, même, à, à la grandeur euh, au complet. Donc c'est un peu le principe de, de venir varier tout ça. Puis ici, ben, ça va être un peu le même principe. Là. Donc je peux mettre un blend. Je vais aller chercher un autre noise. Bon, ça peut être le même, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis juste venir changer le disorder pour pas qu'on ait exactement la même valeur. Là. De toute façon c'est tellement subtil que c'est très dur à, à, à voir. Là. Donc on, je connecte ça là. Puis là je peux venir bon juste euh, enlever un peu d'information euh, au niveau de ma texture là. Donc, je vais pas toucher à ça. Je vais garder mon Dans un contraste comme ça. Là, Je connecte mes deux notes de uniform color. Je vais connecter mon masque et là je vais juste modifier un petit peu la valeur. Je pense euh, lui, je vais va mettre un peu plus foncé. Enlever un peu de saturation comme ça. Bon, contraste ouais, très très subtil. On le voit en stream, si vous que ça paraisse même pas, mais c'est pas mal. Ça qu'on veut, on veut que ça reste très subtil. Là. Et ces deux informations de. Ben cette information de, de couleur-là, je viens de la connecter dans mon blend général entre le grain de bois et les taches, dans le fond, de, de vernis ou de teinture. Donc, ok, comme ça, ça va marcher. Ok, puis c'est pas fini là. Donc, dans le fond, c'est comme le, le travail de base pour placer deux informations de couleur. Euh, puis ça se peut aussi que mes couleurs sont un peu off. Là. Donc, c'est un petit peu plus foncé mon image pourrais avoir un petit peu moins. Je pourrais peut-être contraster un peu mieux le. Le, le masque dans le fond de, de mon blend ici. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc je vais venir euh, peut-être le contraster un peu plus. Je vais voir ce que ça peut donner. Là. Parce qu'on dirait vraiment que le grain de bois dans le fond il ressort un peu plus ici. Là. Dans certains endroits. Là. Fait que je pense que c'est un résultat un petit peu plus comme celui-là. En faisant en sorte que mon masque soit mieux contrasté. Là. Le, je pense que mes, juste que mes, ma couleur est un peu trop foncée. Je vais venir l'ajuster ça. Donc ça ici. Euh, pas la situation. Ça va être celui-là. Ok. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Ça commence à être un peu plus dans le même genre. Ok. Donc, ensuite, euh, ce que j'ai voulu faire, euh, j'ai voulu, dans le fond, euh, aller chercher des imperfections dans ma texture euh, pour pouvoir, dans le fond, vraiment placer des tâches foncées, foncées euh, dans les cracks les plus apparentes. Là. Donc, tu sais, ici, peut-être, Donc, euh, je vais regarder mon masque et voir quest ce qu'il y a qui peut m'offrir, si on veut, pour avoir ces tâches-là plus particulières. Je vais vous le montrer, là, dans le fond, ce que j'ai fait. Là. Donc, c'est à certains endroits, tu sais, ici, là. Donc, je suis allé euh, isoler dans mon information de, de noise cette texture-là. Euh, pour pouvoir, dans le fond, me faire des spots plus euh, foncés là, dans, dans ma texture. Là. Donc, ça ici. Là. Donc, euh, des imperfections qu'il qu peut avoir là, à la surface. C'est sûr qu'il faut, euh, faut se modérer là-dedans, là, parce que euh, dans, euh, dans, 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 dans les concepts, dans le fond, de, de texture à répétition dans, dans le jeu vidéo, c'est sûr. Euh, il y a plus de monde en, en VFX, mais en jeu vidéo. Euh, il faut pas qu'on en mette trop parce que sinon ça va continuellement se répéter dans, dans le tiling d'une map. Là. Euh, donc j'en ai mis un petit peu mais vraiment le, de, de façon subtile. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer encore une fois. C'est dans le même principe. Le blend, euh, c'est un, un des notes qui revient constamment, là, presque tout le temps. Euh, Puis là, dans le fond, c'est d'aller chercher mes, mes tâches les plus, euh, les plus foncées. Là. Donc euh, ce que je peux faire, ce que je peux faire, juste... Reculer un peu le tout là, pour me donner un peu plus d'espace de travail. Donc je mets mon blend ici. Puis là, euh, je me mets un level. Comme ça. Je vais aller chercher mon noise. Donc c'est celui-là, je crois. Puis, je pense que je vais prendre mon, ouais, le level qui est ici. Je vais le repiper dans ce nouveau level-là. Et là, mon but c'est de venir contraster. Puis essayer de juste. Il faut juste que j'isole. Bon, ok. À peu près comme ça. C'est à peu près le fonctionnement que j'ai fait là. Donc vous voyez, j'ai tellement contrasté mon, mon level ici que je permettre d'isoler dans le fond les tâches qui ressortent vraiment le plus euh, dans l'image. Donc je peux jouer aussi avec cette valeur là pour le contraster encore plus fort. Là. Donc ici, attendez, juste... J'ai va avoir un petit peu moins, sinon ça va être trop... ça va être too much. Là. Donc c'est vraiment un ajout très subtil. Donc comme ça de, de tâches noires. Puis euh, une fois que ça c'est fait, euh, ben là, dans le fond, dans le fonctionnement du, euh, du blend, ben, il faut juste que j'inverse mon information de gris, parce qu'autrement, dans le fond, ben je vais l'essayer avec vous pour vous montrer ce que ça a donné. Hein. Donc je vais me prendre une, une couleur à peu près uniforme de, de noir. Là. Donc euh, Juste changer un peu la value. Pas qu'il soit un noir trop parfait. Je mets ça dans le foreground. Là, on voit qu'il n'y a rien. Puis là, si je connecte dans le fond ça comme masque, ben... Ça fait juste révéler ça. Donc, mon masque était, il est à l'envers. Il faut que je le change de bord. Puis, ça, ça va être avec un Invert Grayscale. Et voilà. Puis là, ben, on voit qu'on a les petites tâches ici qui apparaissent sur la texture. Euh, présentement, bon, elles ne sont peut-être pas assez fortes. Fait que là, pour ça, euh, ce que je peux faire, c'est soit continuer à travailler dans le fond dans ce euh, level-là. Ou euh, moi je pense qu'est-ce que je vais faire ici pour tricher un peu la valeur, ça va être simplement dans le fond de m'en faire un deuxième puis de venir euh, le sharpen. de même dans le fond. Là, pour qu'ils soient encore plus intenses. Puis ça, bon, ça, plus, plus je vais le mettre intense, plus que ils vont apparaître dans la texture. Là. Donc je peux le contrôler de cette façon-là. Pour juste mettre des taches plus foncées dans le fond, dans, dans ma texture de bois à quelques endroits. Euh, puis là, ben, c'est pas connecté au final. Donc ici, ok. Donc juste quelques petits euh, détails de saleté euh, additionnels dans le fond, sur la surface. Là. Donc comme ça, juste garder euh, ça enfoncé. Je vais cliquer une fois là-dessus, juste juste à contrôler. Là. Une petite subtilité comme ça. Là. Bon, juste pour acheter du détail. Ok, donc ça. Euh, ensuite, un autre élément euh, que, que je trouve très intéressant, enfin une triche que, que j'ai découverte dans le fond en, en travaillant. Euh, bon, okay, je ne vais pas essayer de l'expliquer en, 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 en parlant trop, je vais le faire en même temps. Hein. Mais c'est en gros, le, juste les grandes lignes, c'est d'utiliser dans le fond le, le... la curvature, faker une curvature parce qu'il n'y a pas de modélisation. Si vous pensez au pipeline de, de Substance Painter, ben, la curvature map, dans le fond, était faite à partir d'un bake là. Puis à partir de modélisation, l'on on a pas. Fait que là il faut qu'on simule dans le fond au logiciel dans le fond de la curvature pour pouvoir euh, tricher. Je vais vous montrer. Dans le fond le, le but ici que j'ai, ok, c'est que je regarde dans le fond le, le, le mon noise, d'espèce de grain de bois. Puis il manque quelque chose. T'sais, il manque un espèce de, de relief dedans. Hein. Puis ça, ben c'est grâce à la map de curvature que je peux en simuler une. Donc ce que je vais faire, c'est aller me chercher la Curvature Node, ici. Puis lui, dans le fond, le Curvature, ce qu'il veut, c'est de la Normal Map. Puis on a une, de chance. Donc, dans le fond, c'était juste la valeur de gris qu'on a plugée dans un Node normal. Ça nous a donné ça. Puis là, on peut venir le placer dans la Curvature. Et il va nous sortir cette texture-là, ici. OK? Puis là, dans le fond, ça, ça peut servir pour commencer à créer un masque pour faire, dans le fond, des espèces de, de, de cracks dans le bois, de, comme le grain du bois, dans le fond, qui soit plus foncé pour faire un contraste encore plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un autre blend, toujours la même chose, mais ça dans le background. Puis là, ça ici, cette fausse curvature là, dans le fond qui est comme simulée, là, ben, on va la travailler pour essayer dans le fond d'avoir un masque intéressant pour masquer encore une fois dans le fond l'information plus foncée. Ok, donc ça, ça va être ça, c'est ce qu'on va envoyer dans le foreground. Puis on veut un masque dans le fond fait à partir de la curvature pour masquer dans le fond, euh, ben Révéler en fait le noir juste dans les. dans les cracks que la curvature a créé à la base. En passant, bon, il y aurait moyen de, de continuer à la travailler de cette façon-là. Mais moi je vais la garder plus euh, subtil dans le fond pour pas avoir des cracks trop euh, foncés si on veut. C'est pas un bois si rough que ça que je veux faire. Là. Donc, on va travailler encore une fois avec des levels. Puis essayer de trouver dans le fond une valeur... Euh, Intéressante. En fait, ici, là, avant de, de continuer à travailler le level, je vais aller chercher celui que j'ai ici. Là. Donc, ça, c'est la formule que je suis arrivé. Euh, puis, euh, il va falloir éventuellement invert le grayscale parce que, dans le fond, l'information ne euh, sera pas celle qu'on veut nécessairement. Là. Donc, je vais juste copier mon level ici. Ouais, je vais effacer lui. Je vais placer celui que j'avais ici. Là. OK. Puis là, bien, c'est la curvature map. Euh, ben tu sais son information si je la laisse comme telle je pense que ça sera pas euh, bon donc tu c'est quelque chose comme dans ce sens là Puis là, euh, là le, ben, le le hic c'est que dans le fond euh, ben, là, si je le place ici là dans le fond euh, bon, c'est dur à voir si c'est pas finalement que ce soit la bonne façon juste le connecter ici là. Donc là, est-ce que c'est mes cracks qui sont en noir ou l'inverse Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que j'inverse absolument mon curvature. Autrement, le résultat sera pas bon. Là. Donc je vais invertir le grayscale de ma curvature. Ouais, c'est ça. Donc euh, la curvature, j'avais pas le choix dans le fond de l'inverser pour faire en sorte dans le fond que ce soit vraiment les cracks dans le fond qui soient foncés. Puis là, ben ça, il faut le travailler. On ne veut pas garder ça comme ça. C'est beaucoup trop fort. Là. Donc ça va être encore dans le fond euh, une question de, de travailler un level pour pouvoir dans le fond euh, avoir de l'information adéquate dans les, euh, les crevasses. Euh, ben soit ça ou moi je pense que c'est ça qu -ce que j'avais fait comme, euh, comme optimisation là, pour, euh, pour avoir un résultat intéressant. Au lieu de travailler de, de travailler le level puis essayer de le réduire, etc., ben, je suis venu prendre l'opacité dans le fond du blend. Parce que ça, ça dans le fond c'est ce qui détermine à quel point le foreground va influencer le background. Ben dans le fond, je suis, à, je suis allé le placer vraiment minuscule, là, donc à 0.1. Puis là, ben, ça se peut même qu'on le ouais, voit. Je veux juste voir là, un résultat qui peut paraître un peu. Là. Ouais, bon, quelque chose comme ça. Là. Donc 0.3. Juste avoir un, un, un petit semblant, dans le fond, de grain là, de, dans le bois. Là. Donc euh, même dans la référence, je pense qu'il n'y en a pas ben, ben, là, donc, euh, bien. Donc le grain de bois là il apparaît pas vraiment là. ça peut être on dirait vraiment un bois quand même assez lisse ben, on le voit un peu ici là. donc c'est vraiment le, la teinture qui s'est incrustée dans, dans le grain là. Euh, mais je pense bon c'est un résultat comme ça ça va être pas si mal euh. ok donc c'est un peu ça là, le, le procédé dans le fond de partir d'une référence pour faire une une substance c'est pas mal tout le temps le même procédé. Euh, vous êtes bon, c'est ça. Donc, dans le fond, je vais repasser à mon autre, là, parce que j'avais un peu plus de travail. Je, voir, je, je je pense qu'il manque un autre. Bon, ici, c'est un noise additionnel que, que j'avais implémenté dans le tout. Euh, donc, comme ça. Euh, mais dans le fond, c'est ça, tu l'importance quand vous, euh, vous commencez, dans le fond, une, une substance dans Designer, c'est vraiment, bon, ben, trouver des références. C'est quoi le matériel que vous voulez faire? Il faut vraiment que vous répondiez à ces questions-là. Euh, trouver des références. Puis après ça, dans le fond, voir qu'est-ce que vous avez de, de disponible, dans le fond, comme, euh, comme outil à la base pour partir, euh, le, commencer, dans le fond, cette texture-là. Euh, Puis généralement, ben, c'est ça, tu sais, une, une texture vue d'assez proche c'est toujours des espèces de noise procédural qui vont pouvoir les former. Donc, il y a beaucoup de, de possibilités. Puis, ça va être vraiment par la pratique de voir qu'est-ce qui va le mieux répondre à vos besoins pour arriver, dans le fond, à, à la texture que vous voulez. Euh, mais grosso modo, c'était pas mal ça, dans le fond, le, le la révision que, que je voulais faire, dans le fond, de, de montrer le, le procédé vraiment de base de, de la création d'un matériel dans, dans Designer. Généralement, c'est tout le temps la même chose, c'est de prendre dans le fond des, des de la couleur, soit par les Uniform Color, prendre, ben, dans les Uniform Color, il y a aussi du Uniform Grayscale, et dans le fond, prendre le Grayscale, travailler dans le fond les valeurs de, de Noise, par les Levels, avec le Blend, puis pouvoir dans le fond commencer à façonner chacune des textures qui vont être outputées euh, du logiciel pour pouvoir dans le fond l'intégrer après ça dans un projet plus grand. Euh, puis ben là, ben, dans le fond, ce que je peux faire, c'est continuer à travailler ma texture euh, avec ce que, ce que je veux aboutir, dans le fond, euh, au final, c'était euh, d'avoir des, des marques de, dans, dans le bois. Là. Donc, ça, moi, j'allais vraiment former un matériel à part entière, donc avec, dans le fond, de la, de la simulation de modélisation en, en relief en bump map, euh, en normal map, dans le fond, pour pouvoir placer, dans le fond, dans, dans mon, euh, dans mon euh, plafond. Donc, je, je vais prendre en fait celui-là. Je trouve que le bois est un petit peu plus doux que l'autre. Il s'apprête un peu mieux à, à le reste de mon ambiance qui est un peu plus propre. Là. Donc euh, je vais regarder ça de côté pour l'instant. Donc je vais juste regarder ça. Puis je vais me faire un nouveau projet. Parce que là, dans le fond, me faire des nodes euh, en relief. Euh, J'aime mieux les faire, dans le fond, sur des fichiers à part. Puis après ça, juste importer, dans le fond, dans un graph, un autre graph, comme j'avais déjà montré. Donc là, c'est pas mal ce procédé-là qui, qui va commencer euh, ici. Hein. Donc dans le fond, euh, ici, c'est... Euh, euh, je vais l'appeler... Euh, je vais le je vais va placer le même nom euh, que j'avais au début. Mais ça va être... Euh, comment je peux appeler ça Je veux... Ben, flower pattern ouais. Ou... Euh, Wood carving. Ah, okay. Donc, comme ça. Ok Donc, là, ce que j'aimerais faire, je regarde, je regarde encore la référence. Je vais essayer de faire, dans le fond, l'espèce de cadrage qu'il y a autour ici. Euh, Puis, moi, dans le fond, j'en voudrais 4. Donc, je veux que ma texture puisse permettre, dans le fond, 4 de ces éléments-là. Euh, Puis, dans le fond, pouvoir euh, le, le, le mettre en, de façon tileable là, dans mon environnement. Donc, théoriquement, ce que ça va faire, c'est que. Chaque tuile ici, qui est répétée, là, pour former mon environnement, ben, ça va être, dans le fond, des tuiles avec quatre patterns dedans, là, ici. Donc, OK, on va regarder euh, quest ce qu'on peut faire pour commencer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est le wood carving avec la fleur. Je vais en faire juste un, puis après ça, je pourrais le tiler euh, dans, dans mon fichier euh, de compilation, qui va être celui-là, dans le fond. Là. OK, donc... Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais faire, euh, je vais aller dans mes Generators encore une fois puis commencer à, à travailler avec des Shapes dans le fond pour réussir avec euh, juste des formes géométriques bien simples faire dans le fond le, le cadrage qu'on a ici. Euh, le plus challenging c'est la fleur donc on va regarder ce qu'on peut faire aussi. Euh, en fait je vais peut-être commencer par la fleur, on dirait que ça, ça m'inspire un peu plus là, donc euh, la fleur, la fleur ça va être avec un Splatter Circular donc je vais commencer par mettre ça. Euh, Puis là, ben, le principe, c'est qu'il faut que je lui donne une information de, de fleurs. Donc, faire les pétales comme ça. Là. Donc, je vais commencer à façonner quelque chose comme ça. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire avec euh, un disque. Ouais, comme ça. Je vais le transformer. Puis là dans le fond on n'oublie pas une notion dans qu'on a faite quand on a fait le papier peint en classe ensemble c'est qu'il faut briser le tiling puis qu'il en aille et je vais dans le fond commencer à façonner une feuille une pétale donc quelque chose comme ça puis là j'ai regardé un tuto euh, récemment je vais juste voir je vais essayer de, de prendre le warp pour la déformer donc c'est quoi que j'avais vu, je vais essayer de le, le reproduire, donc c'est de prendre un euh, ouais, gradient radial, je pense que ça a marché. un petit, ça un peu, puis là je pense qu'il faut que je le invert, je vais juste le tester live, we'll do it live, euh, ok, faut que je vois là, c'est certaines options, mettre ça, mettre un transform sans tiling, Ouais. comme ça. Puis là, si je la déplace, je plus dessus. Ok, il a l'air de vouloir l'influencer, mais il est comme trop fort. Fait que je vais essayer de le réduire un peu. Donc, regardez ça ici. On ah, que le reverb n'est pas nécessaire. Donc c'est des tests que je fais. Hein? Ah. Hmm. Non. Juste essayer de le blur un peu plus Voir si ça peut l'atténuer Oh, peut-être que Ça, ça peut le faire Donc comme ça L'augmenter un peu peut-être t -il être réceptif Pas vraiment, je veux pas le Parce que dans le fond, ce que j'essaie d'avoir ici C'est... Euh une forme un peu plus euh, en goutte d'eau donc ici c'est un peu euh, manque un peu de, de, de finesse là, dans, dans la forme euh, si je travaille le blur est-ce que le a ah, au moins si j'augmente le warp si je l'augmenter puis ça va tout péter non ok ça marche ok donc si je triche l'intensité du warp il oh, okay, faut pas que je triche trop on dirait euh, 4 puis ici je vais juste venir Oh, ah, yeah. oh, okay. Um Ah, oh, okay. Un un peu en poire, Je veux que ce soit plus droit. Ok, je vais essayer de continuer à travailler avec d'autres Warp potentiellement. Donc, je vais prendre une copie de ça. Je vais juste le tasser un peu comme ça. En mettre un autre. Ici. Oh, des bois. Ok, attends. Je vais mais le... en bas. Ok, là, je vais faire un miroir horizontal. Donc, comme ça, je vais faire un blend puis blend les deux ensemble avec un linear dodge comme ça. Puis là, je vais venir, euh, pas blend, je vais faire un autre warp. Euh, là. Donc, j'impute ça. Je prends le gradient input ici. Je vais prendre un autre transform 2D. Puis là, juste le monter peut-être. Tu vas être capable? Oh. Ah. Ok, je le un peu. Oh. Ah, C'est le résultat inverse que je veux qui se produise. Je vais voir si le invert grayscale peut fonctionner. Oh, ça a l'air de ça. Ok, ok. Oh. Oh. Ah ouais. Oh! C'est pas parfait, mais je pense. J'ai peut-être un moyen de l'égaliser, peut-être avec un blur. Vous voyez que c'est pas mal de triche pour juste faire une pétale, mais. Étrangement, c'est un... j'aime travailler avec ça. Sûrement que de faire en Photoshop, ça irait plus vite, mais. Au moins ici, c'est non-destructive. Dans l'approche. oh Alors... On c'est un peu euh, croche, mais c'est pas trop grave. Là. Ça, ça s'explique en disant que c'est euh, du wood carving du euh, 17e siècle. Okay? Pas parfait comme l'industrialisation qu'on a de nos jours. Okay. Donc, ça va faire. Okay. Donc, pétale qui représente pas mal la shape qu'on a ici. Puis là, ben, comme on peut voir, ça va être de travailler peut-être euh, l'espèce de bevel qu'on a dedans. Là. Donc, il faut trouver le moyen de faire ça. Puis, je viens de penser à la solution. Donc, pour faire ça... Ça va être de prendre encore le la même shape ici. Puis là, il faut juste que j'en fasse une grande qui va être sur le dessus, qui va être plutôt blanche, puis une en dessous qui va être plus grisâtre pour représenter le, le bevel, dans le fond, formé par, euh, par la, la, la forme. Là. Dans le fond, c'est bien simple. On peut le tester euh, directement, voir ce que ça fait en bombe. Donc, ça, présentement, c'est quasiment rien, mais. On a cette forme-là. Puis là, pis là ben, le principe, c'est que je vais en mettre une. Je veux que celle-là, en fait, celle qui soit purement blanche soit sur le dessus. Puis une en gris sous le dé... en dessous pour faire l'effet de, de dénivellation comme ça. Là. Donc... donc. Donc, donc, donc. Je vais faire un blend de. Ça dans le background, ça dans le foreground. Puis là, celle-là, faut juste que je la rapetisse. Comme ça, il n'y a rien qui apparaît, c'est normal, comme ça. Euh, Puis là, il faut juste que ça, je vais y placer un level à nouveau. Ici. Comme ça, ouais. Puis là, il faut que je la rende plus grise. Donc, je vais enlever du blanc. Puis là, il faut que je le blende avec un linear dodge. Comme ça. Donc, on a un avocat en ce moment. Euh, ça, ok. Puis là, il faut que les deux ils se mergent. Dans une espèce de ben de, de, de dénivellation. Euh, donc, pour faire ça, jai juste besoin de blur un peu le tout On va essayer. OK. Donc, ça, c'est un blur à 10. Euh... On va tricher la normale pour l'avoir en masse. Hein? OK. Um, 22, ouais, ça va être assez. Ok, mmh, je qu il y quelque chose. De... Non, je vais continuer à essayer de l'éditer. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais juste euh, l'étirer un peu comme ça. Allez, glisser ça en bas. Donc. Chose comme ça. Puis ça, je vais le monter dans le haut. Comme ça. OK. Tu Juste... sais, je vois que comme les lignes ici. Fait on, on les a d'une certaine façon, mais. Moi, ouais, j'aimerais ça que tout ça ce soit un, un peu mieux merged ensemble. Euh, à moins que. À, au lieu du linear dodge. Non, montez pas. Ça ne marche pas. Alors, en fait, au lieu de mettre mon blur là, si je fais juste euh, le mettre euh, là, puis là. Hop. Comme, hop. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hein? Ok. Ok. Hein? Fait que les deux ont l'air de mieux coexister comme ça. Euh... Donc là, par contre, ma. Ok. Fait que lui, ici, j'ai peut-être pas besoin de le blur. Je vais l'enlever. Euh... Un petit peu. juste peut-être voir si je peux l'agrandir un petit peu comme ça ok puis là la forme de la feuille pour cette pétale là faut vraiment qu'elle soit un petit peu plus droite donc euh, donc ça veut dire que c'est pas si magique qu'il me faudrait c'est peut-être plus celle là à la base peut-être je vais voir euh, non, il y a quand même l'effet de, de good dedans. On va quand même avoir un peu de cet effet là. Puis ça, ça va être contrôlé par le un nou ah, je, je pense que je vais mettre un nouveau warp. Euh, puis refaire une nouvelle solution, possiblement. Donc transform ça ici de même avec un warp. donc le input dans le warp serait pas ici okay, ça donc ça ici pour le warp je mets l'input là comme ça puis là je veux rendre ça plus droit donc euh, un transform bien important comme oops. donc ça là comme ça puis là, essayer de placer ça. Euh, ok, en fait, fait que là, lui, je ne veux pas inverser, je le veux en noir. Ouais. Puis là, il faut que je trouve le moyen de faire rentrer la forme par à l'intérieur. C'est possible. Je pense que oui. Euh. Non. Oh, oh, ok. Je vais le grossir comme ça. Ouais. Fait que c'est à peu près ça pour l'intérieur, mais... Euh, juste avant, on l'a faire Ok, à peu près là. Puis là, je vais la grossir un petit peu. Comme ça, à peu près. Ok. Il faut que je trouve un moyen de smooter ces deux formes-là ici. Non, euh, faut pas qu'il y ait ça comme forme sombre. Donc en fait, je pense que j'ai même pas besoin de, de tout ça, je pense que j'ai juste besoin de ça à peu près. Donc ça c'est le blur direct qui est un peu trop fort. Ah. Euh, je vais essayer d'y mettre un bleu à nouveau. Puis juste en enlever pas mal. Là. Ok, je, juste, bon, je pense que je vais garder ça comme ça. Puis je vais mettre à l'intérieur une copie. J'aimerais ça que ça creuse un petit peu dans le milieu. Donc, je vais prendre le résultat ici de mon blur. Euh, puis là, dans le fond, il faut que je l'inverse. Donc, je vais le mettre en gris pour avoir une, une valeur de noir. Puis là, il faut que je blende ces deux valeurs-là avec un blend. Donc, sans euh, ouais, sans background, sans foreground. Puis là, il faut juste que je trouve le, le bon blend. Donc, un multiplex, ça va faire. Puis si je descends l'opacité, je vais pouvoir contrôler, dans le fond, le, la, 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 la forme de la craie. Euh, donc comme ça, j'en veux vraiment pas beaucoup, là, fait quelque chose qui est quasiment invisible. Là. Ok, ça ça, ça devrait être bon. Comme ça, puis là, bon, une fois qu'on a la forme générale de, 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 la, de, la, de la pétale, dans le fond, là, ben là, oups, euh, Okay, donc, euh, pattern input dans le splatter circular. Puis là, dans le fond, ici, dans pattern, je vais aller chercher image input. Puis là, bon, dans le fond, c'est ça ici que je vais vouloir. Je vais tout de suite le connecter là. Puis là, il faut que je commence à tweaker ce, euh, ce paramètre-là pour aller chercher la forme que je veux. Donc, ça, combien j'en veux 8 euh, 12 Ouais, 12. Ok, là il faut que je trouve le moyen de. Ah, je, ouais, wow, je pourrais sûrement trouver le moyen de invert dans le splatter circular la, la pétale, mais en fait je vais y aller dans une façon, une façon bien plus simple de le faire, puis je vais juste inverser mon image. Donc, ok, là c'est dans le bon sens, le même sens que ma ref, comme ça. Puis là il faut juste que bon, j'augmente le scale de ces images-là. Euh, radius, ok, radius fait juste envoyer plus loin le tout. Euh, donc le 16, ok le 16 comme ça ok on va faire des pétales quand même assez longues un peu plus grandes j'aimerais ça que ça merge ouais ah c'est intéressant je suis pas convaincu non pas size random le scale ah, ok ouais le scale c'est bon comme ça Euh, luminance, pas vraiment besoin. Global offset, non, je n'en veux pas. Spread, non. Ok. Euh, bon, ça devrait être pas super. Si pire. Puis là, dans le fond, faut juste que je rajoute le, le, le dot au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a juste 8. Bon, le mien, ça va être dos, c'est correct pareil. Là. Donc, comme ça. Euh, puis là, bon, ça, rajouter la, la touche au milieu. Donc, je vais aller chercher un generator. Puis avec le shape. Je vais aller me prendre un parabolide, Paraboloïde. Puis le rentrer au centre. Donc ça, ça. On enlève le tiling. No tiling. On blend les deux ensemble. Donc un deux. Euh, Réduire le scale, c'est ici. On met ça à Add Linear Dodge. Euh, si c'est la bonne affaire, là, je vais faire les tests. Ah, Regarde, assez foncé. Ça, là je mets celle là. Là -haut. Bon, on a la poche au milieu là. Bon, excellent. Donc ben, c'est différent mais ça va être correct pour l'exercice je, je, continuerai, je, je continuerai à le tweaker de mon côté parce que c'est ça, ça ça me bug le plus dans le fond là, ici Il là. faudrait que je continue à, à évaluer mes paramètres dans le fond pour euh, pas avoir cette double euh, coupe dans le, le bois là. Mais bon ça va être correct pour ici là. Donc voilà, donc faire une shape basic là, dans, dans Designer. Je vais sauver mon package comme ça. Retourner dans mon bois ici, mon wood ceiling. Puis là, ben, je vais glisser dans le fond cette nouvelle création-là ici. Euh, puis tout ce que j'ai comme information, c'est la roughness, mais c'est correct. Là. Donc euh, la normal map. Donc là, dans le fond, je dois intégrer ça euh, éventuellement dans, dans mon projet. Donc on va, on va le faire, là, juste pour afin euh, fin de test. Donc, euh, normal combine. Donc, une normal ici. Une normal ici. Puis là, bon, j'ai ma fleur dans mon bois, comme ça. puis là, il faut que je la je mette autour une garniture de bois comme ça pour montrer que c'est un peu plus creux. Donc, on va le faire le cadrage en bois. Comme ça. Donc, tiens, on va essayer avec un linear gradient pour commencer. Donc c'est vraiment ça. Je vais faire le codrage ici. Donc ça, ça devrait ça donner un résultat pas si mal pour ça. Ça va être en fait deux linear gradients que je vais combiner un à côté de l'autre. Euh, Leurs contrastes, en le fond, vont donner un résultat sûrement correct. Là. Donc, ça a, On va le tester. Donc, euh, ok. Un premier Linear Gradient. Pour faire la boîte. Euh, Est-ce que je prends des Linear Gradients ou... Est-ce que je prends des box? Euh. moi je pense que je vais prendre des boxes euh, ouais, ouais. prendre des box que je vais simplement blur là donc ça on enlève le tiling comme toujours puis là ok donc là il faut que je fasse l'équivalent du linear gradient mais en box donc prendre le blend je vais faire un duplicate de ça Ouais, ok. Excusez, transform ici. Ouais, deux transform comme ça. En fait, je pense, ouais, ça, je peux juste en garder un. Une box, pas besoin de deux. Connecte ça là, connecte ça, ça là. Puis là ici, euh, je vais faire un subtract. Ouais. Puis là, il faut juste que je réduise. Celle-là. Oui. Euh, non, c'est pas le background, c'est le foreground. Bon, c'est pas dans la bonne direction. Fait que c'est juste une question d'inverser les deux, I guess. Non, oui, attendez. Ça veut dire... Ah, je suis pas à subtract. Mm, ok. Euh... Ok, bon, c'est bon, ça marche. Euh, mon option avait été décochée. Ok. Donc, le cadrage comme ça. Euh, OK. Donc, on commence avec ça. Là, il faut juste que je le rétrécisse un peu. Euh, pour faire la première bordure. Donc, je fais ça. Comme ça. Euh, puis là, ben je regarde le cadrage, je pense qu'il est un, un peu trop épais. Là. Dans le fond, il faut juste que. c'est vraiment minuscule comme. Euh, comme épaisseur. Donc, pour le réduire, je vais venir prendre. Mon cube ici. Puis. Ouais, je un petit peu plus étroit, là. Bon, comme ça. Euh, après ça, je mets un blur. Parce que je veux avoir, dans le fond, juste. Euh, comme des lignes estompées en bevel là, sur, sur le contour. Euh, puis je veux juste. Bon, peut euh, okay. Ici, on voit que le résultat est comme un peu médiocre. Fait que ça, je pense que. C'est euh, parce qu'il veut avoir plus de bits per channel. Non, c'est pas ça. Je me sens... C'est des images de base, là. Toutes les mettre à 16 juste pour voir. C'est un test que je fais là. Euh, Parce que le blur, dans le fond, des fois, il peut créer des bugs, mais je pense que c'est au niveau en fait de la création de la normale. Donc je vais juste les remettre à 16 pour voir ce que ça donne. Okay, il est encore un peu low res, mais je vais juste voir dans le fond, dans, dans la normal map, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Euh, donc, je vais encore travailler par normal combine. Là. Ça, ça donne un bon résultat jusqu'à maintenant, donc je pense que ça devrait être adéquat ici aussi. Euh, donc, je fais ça. Je vais prendre euh, donc, normal combine. Je vais en faire un nouveau. Là. Je connecte ça ici, comme ça. Je connecte ça là. Euh, ok. Fait que là on a le contour en bois puis le résultat est-il pas si ouais ça ça paraît trop euh, créer de problème ouais peut Bizarreté, là. la façon comment le blur fonctionne mais en fait au lieu d'essayer de le de corriger parce que c'est un motif là que j'aime pas en fait je vais le garder comme ça parce que euh, dans quand je toutes mes autres références bon donc tu sais, quand je vais essayer de, de, de créer dans le fond euh, ces, ces coupes-là ici, là. donc euh, dans le fond, euh, c'est pas grave, si sais, je vais pas chercher à le corriger parce que nous, anyway, il va avoir une autre texture, il va venir couper dedans. Là. Fait que je pense à être correct pour ça. Ici, euh, puis je vais juste regarder c'est quoi la distance. Là. Fait que, OK, Je pourrais peut-être juste euh, ramener un petit peu plus près le, euh, le cadre. Là. Donc, juste le rétrécir. Donc, ça. Ok, comme ça. Puis finalement, je vais juste peut-être donner un petit peu plus de, de volume. Putain, pas comme ça. Ok, donc ça c'est fait. Puis là, dans le fond, j'en veux un deuxième. Je veux un autre cadrage comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est me copier le transform que j'ai ici. Copier le bleu, ben, je, je vais vouloir peut-être le travailler euh, individuel. Puis là, euh, je blend les deux ensemble. Donc, le premier cadrage, deuxième cadrage. Je fais un euh, add-linear. Là, j'envoie ça dans mon normal, comme ça. Puis là, ce cadrage-là, je vais l'envoyer en arrière, comme ça, à peu près. Il, il, je veux plus étroit, par contre. Fait que là, là ça veut dire qu'il faut que je me fasse une deuxième recette. Je peux pas utiliser la même. Fait que je reprends ces deux notes-là puis je recommence le procédé. Un peu plus haut parce que si on regarde la référence, dans le fond on voit que ça c'est comme juste une ligne quasiment. Fait que... Je vais aller faire ça. Donc Tac, comme ça. Euh, puis là on met ça dans le transform ici. Ça sur le contour, ok. Puis là, bon, ce que je veux faire, c'est marquer là, les, les coins, donc mettre les coupes. Donc, ça, ça va être quand même simple. Ouais, peut-être juste dispenser deux secondes. Euh. Non, je vais peut-être juste euh, prendre ça et l'envoyer un petit peu plus en arrière, là. Ouais. Okay. Comme ça. Ok, donc là, il faut que je fasse mes marques. Mes marques vont... il okay. faut juste que je les blende à quelque part. Que ça va être ça. Puis là, me trouver des, bas... des bâtons de fer. Des bâtons de fer. Des bâtons euh, pour faire les coupes. Donc, <coughs> euh, me fait une nouvelle shape. Encore le même principe. Donc, pas de tiling. Transform. Euh, réduire comme ça. Ok, puis là, combiner ça comme ça. Euh, puis ça va être sûrement, ouais, ça va être un subtract. Donc là, on voit les marques là. Um, ok, puis là, bon, c'est juste à prendre ma barre. Je l'envoie dans le coin. Euh, je peux faire une rotation 45 degrés, pure, apply. Ouais. Puis là, j'ai juste à l'étirer dans les deux coins. Donc, comme ça, à peu près. Ok. Non, mes carrés ne sont, euh, sont pas parfaits. Bon, C'est pas grave. Ouais. Comme ça. Puis là, je vais juste euh, jouer avec mes options de blend pour voir si je peux. Euh, faire ma, que ma coupe soit moins euh, forte. Là. Je vais regarder si l'opacity peut. Euh... Non, l'opacity, ça ne va pas le faire. Euh... Euh... Ça. Il ah, faut que je l'envoie quelque part, là. Voyons. Ça? Un, un genre comment... Euh, c'est euh, Dot Node. La grenouille verte. Euh, Valérie, c'est ça. Valérie, ouais. Euh, donc dans le c'est euh, ici, là, Pour euh, pouvoir. Euh, pour pouvoir faire euh, des embranchements. Euh, différent là. Euh, attends je vais te faire un exemple plus concret donc tu sais si je veux ça puis je veux pas que le cordon jaune passe au travers là, ben, je vais le faire passer comme ça Donc euh, ça répond à ta question. Le dot node. Bon, comme moi dans le fond j'essaie de, de penser comment je peux. Euh, J'aimerais avoir un meilleur résultat que ce que j'ai en ce moment. En fait. Mm, euh, ok, là c'est parce que je mets du blanc là-dessus. Est-ce que je peux... Mettre du noir pour faire un multiply à place. Euh... Parce... Ok, sinon si je fais ça. Ah, juste okay. je, je pense que je viens de, de, me ré... de répondre à ma question. Donc, si je mets un blur comme ça, ici, puis là. Ok. Ouais, c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux que ça soit estompé, mais pas... Euh... Donc, euh, la plupart des, des coins sont très amochés. Là. Mais c'est quand même des lignes très subtiles. Fait que là, si j'essaie de... De travailler avec ça, ça va faire un résultat un peu trop euh, trop raide. Fait peut-être, bon, je vais essayer de réduire la ligne pour commencer, peut-être. Euh, double clic, okay, non. Ça. Ouais, ça. Ok. Euh... Ouais, le blurry. Il... Je vais continuer à rétrécir le, la dimension de, de ma de ma ligne. Parce que dans la référence, c'est vraiment minuscule. Ah, sont... Ok, il va falloir que je travaille un, un coin à la fois parce qu'ils sont pas alignés. Euh, Voyons. Oh boy. Ouais, pas évident. Euh... Je comprends pas pourquoi il fait cette traînée-là. Ah, attendez un peu, je vais hein. commencer ça. Là? Bon. Donc, Transform 2D. Là, je veux juste avoir un minuscule petit truc qui va me servir à faire un, un joint entre mes deux bords. Bon, je vais essayer de faire ma rotation. Euh, ah, ok, attends un peu. Donc, ça, rotation 45 degrés. Comme ça. Puis là. Étrice tout ça. Mets ça dans le coin. Ok, on va travailler avec ça. Bon, ça. Là, ici, je vais mettre un blur. Là. Comme ça. Puis là, ça. devrait pas donc on va voir ce que ça donne okay, donc ça c'est mes cadres donc les cadres ouais comme ça ok c'est pas assez franc comme, comme coupe là. je pense que le bleu il reste trop d'informations, là. Ouais, ah, ça... Ouais, ok, on va essayer avec ça. Mais là, il faut que je les rapproche. Puis, descendre encore, là. Ok, comme ça. Je vais dans mon Transform, ça. Ah! Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est pas si mal ça. Le problème, là, que j'ai, c'est que... l'alignement est pas le bon, là. Comme ça quelque chose comme ça parce que ceux qui sont bien détaillés là, on voit que c'est très subtil les autres sont comme estompés peut-être essayer d'aller chercher cet effet là okay. donc ça puis là après ça pour placer les autres ça doit être un petit peu moins complexe parce que tout ce que j'ai besoin de faire c'est prendre ça puis là faire un flip horizontal Ouais, comme ça. On va voir s'il peut s'incorporer avec l'autre ici. Comme ça. Puis là dans le fond... Bon, mais mets ça encore à linear Dutch. Euh... Non. Non, c'est pas linear, c'est subtract. Ouais. Ok, ouais, ça, c'est bon. Encore une fois, bon, je replug ça là. Ok, ma ligne. Ok. Puis, ouais, faut que je mette un bleu aussi, comme ça, comme ça. Ok. Puis ensuite je vais juste combiner mes deux marques que j'ai jusqu'à maintenant comme ça je fais un add linear dodge puis là je vais faire un autre transform puis je vais les placer à miroir vertical comme ça et là je vais blender mes deux ensemble euh, avec un subtract on a les lignes là. Bon, là, par contre, est-ce que, est que ça va coïncider? Non. faut que je les déplace un peu. Donc, je prends ça. Je l'envoie un petit peu plus. Et... Non. Oh, ok. Je peux vraiment pas procéder de cette façon Donc, ça, ça, il a fallu que je fasse plus attention parce que là, j'ai un problème de, de, de carré. Là. Mes carrés sont pas euh, équilatéraux. Donc, ça me cause des problèmes. Là. Il a fallu que j'y pense un peu mieux au début, mais bon. Donc, ça va falloir que je le débugue éventuellement. Là. Ouais, bon, gardez ça comme ça pour l'instant. Hum. Et un autre bleu que je copie. Je mets ça là, comme ça. OK. Donc, on envoie ça dans la normale, parle. Okay. Bon. Donc, on a fait la bombe pour ce motif-là. Là, ensuite, c'est travailler toutes les autres informations de, de texture. Euh... Donc, OK. Fait que là, Il faut qu'on continue à travailler ce motif-là. Je vais essayer aussi de mettre que la texture dans les creux soit plus foncée. Euh, probablement parce que le produit, dans le fond, qui a servi à, à teinter l'objet, s'est accumulé dans, dans ces coins-là. Là. Donc, je vais le faire, donc. Euh... Mm -hmm. okay. Avant ça, je vais juste me sortir une nouvelle curvature map parce que je pense. Je vais essayer de. Attendez, avant de faire une curvature map, je vais me chercher un. Un smart mask donc il y en a aussi dans designer on l'avait vu un peu ensemble puis là ben on peut parce qu'on n'a pas de modélisation fait que ça va pas marcher comme dans painter mais c'est une question dans le fond de faker des effets pour mettre bon des edges par exemple plus sales euh, sur les bons ce que, que je veux ou c'est dans mesh filter ouais c'est mesh adaptive euh, j'ai aussi le mask builder je pourrais peut-être essayer de le faire moi-même je vais essayer de trouver un preset là. Edge Blur peut-être. Edge Damage. Ouais, On va essayer. De voir. Ok. Donc lui, il veut une curvature puis une ambient occlusion. Qu'on voit, il en fait une. Fait que... On va refaire une nouvelle curvature à partir de la normal map. Donc, comme la normal. Ça, ça, ici. La même. Fait on va y mettre de la curvature. Puis là, il veut une ambient occlusion. Donc... Ambient Occlusion, c'est fait à partir d'une 8 map, donc c'est pas un problème. En fait, même que euh, um, normal to 8, normal to 8, donc je peux reprendre encore une fois ma normal map, puis me faire. Oh boy, ok, Ils va sont fort à la travailler. Ça, c'est pas une 8 map. Euh. Non. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi il y a un spot de. C'est quoi cette tâche-là De ma normale, c'est bizarre. Ouais. ouais, ça a l'air de marcher. Donc, aime bien l'occlusion, mais. Moi, ouais, j'en veux une vraiment pas forte. T'as une affaire la même. Euh, puis là, Edge Damage. Là, bon, pourquoi je vois rien Pourtant, j'ai deux informations valables. I guess. Euh... Non, très, très vraiment pas super. Plus de 8 depth, non Curvature. Ah, ok. Donc, il fallait que je boost ma curvature parce qu'il était pas grave de voir quoi que ce soit puis um, Pis là dans le fond ben j'arrête de, de penser je veux pas mon grain de bois dans le fond fait que finalement J'ai comme pris le, le, tout mon information de, de normal Mais c'est pas ça que je voulais. Je pense que je vais juste prendre ça pis à limite le, le cadrage de du contour là, parce que je veux pas le, le grain de bois en tant que tel dans, dans ce que je cherche à faire Donc je vais venir me chercher un autre euh, normal Combine. Puis, juste passer cette information-là à de la normale. Puis là, dans le fond, combiner ça avec ça. Ici. Bon, ok. Mais là, c'est le pattern de ma normal map sans le grain de bois. Puis, ça va être ça que je vais utiliser, dans le fond, pour faire mes effets tricher, là, ici, là. Ok. Es tu capable. Ok, il est capable de sortir ça, mais je trouve que c'est tellement pas. Ok, bon, bon, bon. Ok, bon, à quel point est-ce que les edges sont sales? Donc, on voit une espèce de jaunâtre dans les contours là, qui est comme peut-être justement du... le bois qui s'est révélé à cause de l'âge, tout ça. Euh, ou, euh, bon, quelque chose qui a frotté. Là. Donc, on va essayer de faire cet effet-là avec le node Edge Damage dans le fond. Là. Donc, je le veux... je voudrais je voudrais en haut, mais je sais pas si je peux le contrôler à ce point-là. Ça m'étonnerait. Donc, à la limite, ça, je peux le corriger manuellement. Là. Donc, disons que. Ah, je pense que ça pourrait être pas si mal comme ça. Là. Ouais. Ok. Fait que ça, je vais l'utiliser comme un masque. Puis là, ça va de, de, de venir, dans le fond, l'appliquer sur certaines surfaces. Donc. Euh... Ok. On va commencer avec. Euh, bon, le plus évident, là, je pense que c'est la, la base color. Donc. Je vais mettre un nouveau blend. Puis je vais venir dans le fond placer une couleur de bois là, comme s'il avait été révélé. Comme ça. Puis là, couleur de bois, on va se partir à un nouveau système de... Bon, je vais aller chercher de la couleur en fait dans mon image pour être sûr d'avoir les... les valeurs qui sont appropriées. Là. Donc, il y a du bois. Du bois révélé. Donc. Euh... Hmm, ah, ça ici, là. Ouais. Ok. Donc ça va être ça. Connecte celle-là, mets celle-là. Ok. Ah, ok, on le voit. On le voit là. C'est subtil. peut-être que je vais y en donner un peu plus. Fait que je vais aller chercher mon masque. Puis là, bon, on va y en mettre là. Pour qu'on le voie à l'écran. Oh, boy, edge damage, pas super cool par exemple. On dirait de la glace, c'est bizarre. Bon, il n'en en mettent pas beaucoup ouais. finalement ça ok ouais, ça c'est pas si mal ça a l'air un peu trop parfait fait que ce qu'on va faire c'est essayer de l'atténuer un peu là euh, pour pas que ça ait comme si quelqu'un avait passé un papier euh, sablé sur les edges parfaitement là. donc on va venir euh, l'atténuer un peu euh, puis ça cette atté atténuation là euh, je vais y a-t-il un noise premièrement là dedans non fait qu'il a pas d'option dans le masque dans le Edge Damage pour le faire. Fait que je vais le faire à la main, je vais le faire manuellement. Je vais aller chercher un Generator. Quelque chose comme Cloud 2. Regardez un résultat. Pas si mal, on va le tester. Donc, ça. Background, foreground, puis là. Un Subtract. Ouais. Ah ouais, ouais ouais, ok. Ça peut être intéressant, peut-être enlever un peu d'opacité. Ouais, 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 ouais. Fait que le cloud, dans le fond, je l'ai subtract avec le Edge Damage Mask. Puis là, ça, c'est le résultat qu'on a. Ça a l'air pas si mal. Donc on voit ici, ça, c'est plus atténué dû à l'image. Parce que là, si, dans le fond, je... je travaille son disorder, vous allez voir. Bon, tu sais, ça. Ça varie. Hein? Ok, donc ça, ça va être poppé. Puis là, ça, je vais l'envoyer dans mon base color ici. Comme ça. Ah, ça l'a atténué pas mal. On dirait qu'il y en a plus bien, bien. Donc, je vais peut-être euh, chercher à venir travailler le level de mon image de cloud pour pouvoir enlever peut-être. Just masking power. Oh, wait sure probably, oh, yeah, Euh... Non, je sais pas, le résultat est pas le même. Ben, dû au fait, bon, ça, j'ai travaillé avec l'opacité. Puis euh... bon, j'ai plus de contrôle, je trouve, avec un blend. Je sais pas ici, tu sais, si j'ai pas euh, d'option pour le masque de le contrôler à partir de là. Peut-être qu'au pire, c'est de, de mieux travailler mon level. Là. Mais euh, le résultat de mon blend, je, je le préfère. Donc je, je vais prendre celle-là en fait. Euh, comme ça. Ok, donc ça c'est pour le edge damage, pour révéler un peu de bois là, qui va être caché en dessous euh, de notre peinture, là, de notre teinture. Comme ça. Euh, ça bon, je le ferai pas, là, mais on se comprend qu'on on, on pourrait le. En fait, il serait recommandé de le travailler un peu mieux parce que là, ben, c'est juste une couleur uniforme de, de bois. Hein. Euh, ok, donc pour ça. Ok, là après ça, ce que j'aimerais faire, c'est salir les crevasses. Donc, ça, vu qu'on a vu dans Painter qu'il y avait des masques pour le faire, ben on va essayer de procéder de cette façon-là encore. Donc, dans le fond, euh, ça serait de trouver un euh, mèche adaptive. Puis là, cette fois, euh, ce serait de trouver, dans le fond, quelque chose qui va... La Dirt. Donc, est-ce que Dirt, tout court, pourrait marcher? On va l'essayer. Donc, ça va être encore le même procédé, j'imagine. par exemple, j'ai besoin de la posi pos Position puis World Space Normal. Euh, mais je sais pas si je peux les avoir avec un fake de texture. Euh, comme le Position, ça va être pas mal... Euh, juste une, une image uniforme. On va juste essayer de spiper piper la, la Ambient puis la Curvature Map pour voir si ça peut donner un résultat adéquat. Donc, je connecte les deux, ça me donne ça. Euh, ah, il fonctionne pas de la bonne... Non, c'est ça, ça, il manque de, sûrement le... Le Position... Ça va-tu dans les cracks? On dirait la moitié, il y a ça ici qui marche pas vraiment. Ça, par exemple, ça a l'air d'être un peu mieux. A grunge amount, edge masking OK puis sinon je peux tu lui simuler une position map une position map c'est tu genre juste une map de normal ou c'est une map grise hmm. bonne question je vais l'essayer donc grayscale 50 50 non oh. alors oh, c'est pas une grayscale c'est une color map fait que ça veut dire c'est une image de normal fait que je vais essayer de mettre une normal color pour voir comment il réagit avec quelque chose de bien ordinaire. Donc le dirt level. Est-ce que je veux quelque chose de. Ok, je vais l'essayer comme ça, voir ce que ça donne. Euh, Oups, j'ai gâché le chat juste pour être sûr. Ok, tout, okay, tout va bien, c'est bon. Ok. Donc je vais juste... Euh, ok, bon ça... ça le problème c'est que c'est comme inversé dans ce inversé. Euh... Ok, je vais le tester, mais ben, je suis pas... Je suis content je suis pas sûr. Là. Fait que... ça ici. Dans le background. Ça ici, bon, je vais faire une autre euh, copie de celle-là pour du dirt vraiment visible. Euh, Puis ça, on va utiliser ça comme masque. Bon. Tain, je vais justement l'utiliser, le dot, tain. Comme ça. Placer cela là. Plus facile pour le connecter. Euh... Ok, il est tellement intense. Hein. Je vais passer le tweak un peu. Ah, ça marche vraiment pas bien. Donc le dirt level, c'est l'inverse. Tu veux vraiment en bas. Là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça que je veux, Je hein. vais euh... 0.1 peut-être. Ouais. Le problème, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait un, je sais pas, un petit peu plus de, de grains dedans. Hein. Je peux peut-être importer un custom grunge. Ok. Ça, c'est où que je l'importe, ça Ah, je le mets à true. Puis là, je peux le connecter. Oh, ok. Je ne savais pas ça. Donc, je vais chercher un generators de grunge. Puis on va voir ce que ça va donner. Donc, grunge map. Euh... Tiens, ça, on dirait de la peinture écaillée. Ça peut, peut être le faire. Donc je connais ça dans la Grunge Map. Est-ce que ça a changé quelque chose? Hmm. Ok. okay. si j'en mets pas mal. Donc est ça, qui est, est ça qui, est, qui est weird des fois avec les masques, c'est des faire des fonctionner dans, dans une création de texture euh, de designer. Là, parce que les masques, généralement, sont faits pour euh, travailler avec de la modélisation comme dans Painter. Là. Le résultat ici est quand même intéressant. Il faudrait peut-être juste que je travaille dans le fond avec... Euh, Ma, ma valeur de base color, là, parce que c'est peut-être trop foncé du noir, là, mais je trouve que le résultat est quand même cool. Euh, dirt contrast, ok, si on en veut en masse, hein? grunge amount, ok, il faut que ça, ça vienne chercher ma, ma grunge map que j'ai connectée dans le node que j'ai dévoilé ici. Euh, grunge scale, ok, ça c'est si je fais tiler ma map. Euh, Donc, le Dirt Level. Ouais, le problème, c'est ça. C'est que j'en veux pas beaucoup. Je peux-tu l'inverser, ça? On dirait pas. Mais comme ça, ça look, là. J'aime vraiment le... Comment ça sort, là. là c'est pas si bon, On va le garder comme ça, C'est loin de la référence, mais... à la référence, on dirait que c'est plus comme la poussière de... On va faire ça. On va mettre de la poussière... Euh couleurs sable, là. on va y faire un petit euh, un petit blend là, avec un autre grunge map. En euh. fait pas de grunge map, on va prendre un un dirt comme ça. Puis on va se trouver deux couleurs de poussière qui ressemblent pas mal à l'image. on voit il y a comme du sable par dessus de la poussière jaunâtre comme si quelqu'un avait fait des travaux pas loin. Là. vraiment plus fort que ce que ça référence mais je trouve ça, je trouve ça, ça look bien quand même. là hein. euh, puis ouais, je peux peut-être descendre juste l'opacité du blend. Ouais. Ouais. ouais je pense j'aime ouais, ça. Que ok, okay. Ah, finalement. Il est quand même assez foncé. j'ai mis plus de poussière que eux sont. Si il faudrait que j'en mette un deuxième. Mais euh, vraiment plus fort dans le fond. Ouais, je pense que ça, je vais faire, je vais faire une première solution comme ça. Euh, Puis là, je vais faire un duplicat de tout ça. Puis lui, il va être hyper sharp. Puis aller avec des couleurs plus foncées dans le fond. Euh. Ouais, là. Bon, je le vois plus. Ok. Ah, bien ici, là. Bon. Ça, puis ça. Duplicate. Augmente la saturation. Augmente la saturation. En oh, masse. Wow, ok. Like, comme ça. Ça, ça. Ah je l'ai plus connecté à la bonne place. Pas ça, pas cas, okay. Bon, il y a un blend. Mais ça en background. Ça c'est a un masque. ça ici. Ok. Ouais, quelque chose comme ça. Ça, c'est sans. Ça, c'est avec cet ajout-là. Ouais, je trouve c'est très intéressant. Donc, un, un truc qui, est, qui a été oublié dans, dans un désert et qui a été pris dans une tempête de sable. Cool. Donc, comme ça. Puis là, bon, ça ne se termine pas là parce que là, on, tout ce qu'on a fait, c'est travailler la base color. Euh, mais là, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est ajuster. Bon, si le sable est vraiment empâté, là, euh, solide, croûté, là, ben, il faudrait le mettre dans, dans la bump map. Euh, puis sinon, ben, c'est sûr que du sable, au niveau de la roughness, ça va avoir un, un look très différent de, de du bois. Là. Donc, ça, il faut le travailler. Donc, j'aimerais prendre mes deux, puis là, ça serait de le travailler. Donc, ça, dans le background puis là ce que je peux faire c'est me faire un nouveau blend je vais mettre mon premier dirt dans le opacity puis me faire des grayscale de, de couleur gris là, pour juste l'ajuster plus facilement comme je vous ai montré, là. surtout si on veut l'exporter dans le game engine là. donc comme ça puis là, ça je vais mettre ça là et là, je vais blend » mes deux par un... Non... Euh, overlay. Ouais, overlay, je pense que ça va le faire. Ok. puis là, ce que je veux, c'est que mon sable soit hyper mat. Parce que dans le fond, ben, c'est du sable, ça réfléchit pas trop la lumière. Euh, je pense que comme ça, ça va être pas si mal. Il faut juste qu'au pire, je tweak euh, mes deux notes de grayscale. Là, si je veux... Euh, donc, juste, ok. Là, si je veux avoir du sable moins shiny, au pire, juste, juste pour voir. Là. Ouais, ça, si je le mets euh, hyper dark, le, là, c'est l'inverse. Le, 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 le sable va de le, le shiny, donc c'est pas ça que je veux. Je le veux très opaque, euh, très mat. Comme ça. Ok, bon, ça marche, ouais, c'est cool. Comme ça. Puis à la limite, je peux même continuer là, si euh, mon blend. Je vais faire une autre solution. Comme ça. Là, je mets mon autre masque. De, de sable encore plus rough. Hein. Donc, on pourrait à la limite lui le faire encore plus. Euh, le mettre encore plus à, à mat. Hein. Puis, on blend tout ça. Ensemble. Comme ça. Avec un autre overlay. Bon, ben, voilà. Euh, on a fait une texture quand même assez intéressante. Je suis quand même Je trouve ça bon. Hein? Je vais de la passer à quelque part dans mes projets. Euh, un autre... Un seul, la seule affaire euh, que je ferais à cette heure, euh, comme ajustement, c'est dans le grain du bois. Euh, parce que là, présentement, dans le fond, tout... C'est comme si, dans le fond, euh, quelqu'un avait sculpté à même une planche, au complet, dans le fond, toutes ces affaires-là. Euh, ce qui, dans les faits, pas vraiment le cas. Là. Le monde... Euh, quand ils font du travail de bois, généralement, ils vont, faire ça. Ils vont coller des morceaux ensemble. Puis les bois, le bois provient de plein de places différentes, plein de planches différentes. Donc, ça en fait mon grain de bois ici sur euh, mes contours. Ben, je le mettrais sûrement dans l'autre sens pour vraiment marquer la, la distinction. Tu sûrement qu'ici, on peut le... on voit, tu regardez, ici, c'est comme en diagonale dans un angle. Euh, ici, c'est droit à la verticale. Ici, c'est vertical. Fait que dans le fond, ça, ça serait le, comme le fine-tuning qui me resterait à faire de venir euh, changer, modifier le, le grain de mon bois dans, dans différentes directions, dans le fond, pour euh, pour euh, différentes, euh, différents segments, pour pas que ça soit ça a l'air d'être tout le même grain de bois. Euh, mais voilà, dans le fond, donc, euh, c'est un peu le, le recap, dans le fond, de, de Substance Designer que, que je vous fais. Euh, donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis autrement, là, euh, tu sais, il si y a des personnes qui ont travaillé sur des trucs de, de substance, de painter, designer, ben on peut, dans le fond, se, se contacter sur, sur Discord pour... Euh, si quelqu'un se, se connecte dans le, le salon vocal, dans le fond, puis décide de... Bon, je vais faire le test ici. Donc, si je vais là-dedans... Attends, j'ai-tu besoin d'y aller, dedans ouais c'est ça. Faut que j'aille dans le salon vocal. Là, je fais « Go live ». Puis ça, dans le fond, ça va... Se, tu choisis l'écran que tu veux streamer. Et je vais voir, dans le fond, en, en temps réel, ton, euh, ton écran d'ordi. Puis on va pouvoir se parler par, euh, par casque. Donc, s'il euh, y en a qui veulent faire ça, euh, on peut le faire pour euh, de l'aide, pour euh, des commentaires sur euh, le travail que euh, vous pouvez faire en ce moment. Moi, comme je dis, là, ce que je vous recommande, c'est euh, d'essayer de, 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 de texturer, dans le fond, la, la, la tortue que je vous ai mis, euh, ben, que je vous ai placée dans, dans les annonces, dans le fond, en, en lien de téléchargement. Là. Donc, vous pouvez la, la mettre dans, dans Substance Painter, puis essayer de, de donner, dans le fond, du détail en peintant de la height map dessus. Puis, à la limite, si c'est, mettons que, que faire le travail de, dans Painter, de peindre dessus, puis tout ça ne vous intéresse pas, bien, essayez de faire des, des textures dans Substance Designer pour euh, créer des Smart Materials pour la tortue, mettons. Puis, à la limite, vous pourrez... c'est des suggestions, mais s'il y en a un euh, dans, dans la classe qui est plus intéressant à faire du Painter, puis un autre plus du Designer, ben cest à que vous pouvez travailler ensemble en équipe et essayer de faire quelque chose. Donc, just saying, ça vous tente. Euh, donc, voilà. Euh, écoutez, euh, autrement, je n'ai pas d'autres choses particulières à, à montrer pour ce soir. Euh, cependant, bon, c'est ça. Là, je reste encore disponible une heure là, si, euh, si vous voulez là, euh, euh, discuter avec moi par, euh, par voice chat. Donc, voilà. Et j'espère euh, aussi, si vous avez des questions pour, euh, pour designer euh, sur ce que je viens de montrer, là, euh, N'hésitez pas. Euh, comme, dans le fond, les... ce que, tout ce que j'ai fait ce soir, c'est vraiment les fonctionnalités là, de base de, de Designer. Quand tu veux faire un matériel, c'est comme ça que tu procèdes. Puis euh, après ça, bah, c'est de l'utiliser dans ton, dans ton projet de, de la façon qui t'est la, la, la plus euh, appropriée. Là. Parce que bah, c'est ça. Moi, quand je fais mes environnements à cette heure, là, depuis que j'utilise Designer, c'est tant de même que je procède. Euh, je me fais des, des substances qui talent puis je les place sur euh, mes modèles. C'est sûr que, bon, moi je suis dans un pipeline de jeux vidéo, puis euh, t'sais, on, peut faire, on peut faire des affaires weird en jeu vidéo. Euh, donc voilà. Euh, puis dans le, fond, euh, ben, euh, dans le fond, je vais laisser le stream rouler euh, encore quelques minutes. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais fermer le stream, puis je vais rester disponible pour répondre à des questions dans le dans le vocal chat, dans le fond. Là. Donc. Euh, voilà, prends un peu d'eau. Attends là. Merci, bonne soirée, Martin. Merci à vous tous. Et effectivement, à mardi. Bonne fin de semaine. Ah non, euh, ben moi je donne le cours, euh, un genre de cours d'intro à Unreal euh, dans le programme du bac, mais euh, au, au corporatif, dans le fond, euh, c'est pas moi. Mais Unreal, c ça fonctionne bien. Je travaillais avec Unity, j'ai travaillé avec Unreal. Euh, les deux sont, sont des bons engins de jeux vidéo. Mais Unreal, là, la... ce qui est le fun d'Unreal, c'est que la qualité visuelle est, est riche, puis facile. C'est facile d'obtenir un bon résultat rapidement. Euh... Puis ce qui est cool, c'est que Unreal devient de plus en plus utilisé comme un moteur de rendu. Donc ça, moi, ça, j ai... je l'ai mentionné, je pense au dernier cours, mais j'ai des, je sais que j'ai des, je sais pas, je l'ai mentionné en tout cas. Mais je connais des amis de mon bac quand je fait le bac au Nat qui ont ils ont travaillé chez Digital Dimension. Puis eux, dans le fond, ils font des rendus de cartoons pour enfants dans Unreal. Puis moi, j'étais comme Ah, c'est cool, tu sais. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que, tu sais, faire un rendu dans un, jeu, dans un engin de jeu, c'est pas long, là. Les compagnies. Moi, c'est ça, tu le rendering de cinéma. Je comme Là, mes amis, ils me disent Ah, oh, c'est. C'est plus. C'est, je sais pas, 15 minutes du frame. Je comme Quoi J'en viens pas, tu sais. Moi, je veux dire, tout est. Et calculer à 60 FPS en temps réel, c'est tellement <laughs> une autre chose. Là. Nous, en plus, c'est ça, en jeu vidéo, c'est la, la panique d'optimiser tout. Il faut que tout roule, faut pas que, que, que ça crash, puis il faut, faut tricher constamment avec les textures. Là. Donc, euh, c'est autre chose, c'est vraiment un autre domaine. Là. Mais désolé, je allé plus loin que, que ta question, mais voilà. <laughs> Ah ouais, The Mandalorian. Ah ouais, mais ça, j'avais vu quelque chose là-dessus. Ah, c'est tellement cool. Je sais qu'il y, y a des compagnies d'architecture de, aussi là, qui utilisent euh, VFX pour... Euh, pour... Euh, pour faire des, des environs réalistes d'appartements. De, de, ah, c'est vraiment cool. Hein. C'est sûr qu'en euh, même temps, d'après moi, c'est euh, peut-être. Euh, ben, Mandalorian, c'est super réaliste. Hein. J'allais dire que c'est peut-être pour des environnements plus stylisés, mais c'est quand, quand même bon. C'est vraiment cool. Là. Puis, euh, Juliette, dans le fond, euh, la formation de, de Unreal, de, du corpo, c'est. Est-ce que le, le prof, il montre, dans le fond, comment gérer des projets, intégrer des mèches, mettre des materials, tout ça? Il montre -il aussi du blueprint, comment faire du scripting dans Unreal? Ah, ok. Bon, moi, c'est ça. Je, je le montre euh, un peu dans... Je le montre dans mon bag, au bac, dans le fond, euh, comment euh, comment gérer les projets, dans le fond, dans Unreal. Puis, euh, ben, je travaille en tandem avec euh, un autre prof, dans le fond, euh, qui, lui, est plus le, le prof de scripting de, pour faire du, du code, dans le fond. Là. Ouais, c'est du Blueprint le blueprint, c'est quoi que vous, fait faire, euh, fait, vous, 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 vous faites faire Il vous fait voir même, euh, mettons, du. du. Euh, des, de la jouabilité pour faire du gameplay de jeux vidéo ou c'est plus euh, un overview, mettons Le landscape, ok, le landscape, cool, cool, ouais, ouais. cinematics Ah, bem, superbe Bonne chose euh, de voir ce fabuleux engin de jeu et de rendu maintenant, même. Engin de n'importe quoi, vraiment fantastique. Bon, ben écoutez, euh, je pense que ça va être ça. Euh, S'il euh, y a de quoi, moi je vous conseille de, de travailler dans le fond sur euh, les petits, le petit projet que je vous propose euh, d'ici mardi. Mardi euh, je, je veux, je, ben j'aimerais travailler avec vous là, si euh, si vous vous embarquez dans le fond dans, dans ce que je propose parce que je pense que ça, ça c'est que ça va être mieux pour euh, cerner euh, vraiment dans le fond euh, des questions que les gens pourraient avoir de façon individuelle parce que tu continuer à montrer de la matière ben, c'est sûr que ça peut toujours être fait mais ce serait juste de monter montrer juste plus de façons de travailler puis plus de projets mais ça, c'est plus par l'expérimentation, je pense que ça passe. Là. Euh, montrer les recettes de Blueprint, c'est tellement. Euh, blueprint, pas Blueprint, excusez, de designer ou de painter, c'est tellement, tu sais, euh, comme encased, je sais pas, j'ai de trouver le temps en français, mais c'est proche juste pour un projet en particulier que c'est. Je trouve que c'est mieux de, de vous faire pratiquer puis de que vous ayez les mains dedans pendant que je suis là de, pour vous aider. Donc euh, voilà, euh, merci pour euh, de votre écoute. Puis euh, sinon, ben, comme euh, on a déjà dit, on, on s'envoie mardi.